Eh oui, ne paniquez pas pour ce nouveau numéro de The Big Game of Ski, car aujourd'hui on bouscule la coutume. La coutume, c'était des plats à base de boulettes, très riches, très variés, mais toujours des boulettes. Et on commençait à se lasser un petit poil, et la bonne nouvelle est arrivée ce matin, puisque j'ai reçu de quoi pouvoir tester la bêta de Ling. Alors Ling, de ce que je me souviens, c'est un jeu qui va pas tarder à sortir et qui est un jeu de baston exploration, de ce que j'en ai compris. Pour le reste, j'en sais pas plus que vous, raison pour laquelle eh ben, on va partager cette toute première exploration du titre ensemble pour voir un petit peu ce que c'est plus concrètement et si c'est susceptible d'exciter notre curiosité, voire même de nous donner envie de rusher dans ce jeu. Qui est toujours en bêta, je rappelle. Donc il faudra pardonner les erreurs, il faudra pardonner les éventuels bugs, il faudra pardonner le boulet qui y joue aussi, et oui, accessoirement. Et avec tous ces pardons accumulés, je pense qu'on va pouvoir passer un bon petit moment ensemble. Alors j'entends les ventilos du PC qui s'affolent. S'il y a un plantage, ce sera tout à fait normal et ce sera mon fail de démarrage, on dira. Sur ce, basta la musica, et plongeons tout de suite dans les tripes de notre ami Ling, s'il veut bien arriver. Hop, 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 je l'entends. Alors voilà. Paysage bucolique, ambiance. Ben, du moment, hein, on est en hiver, mes amis, donc c'est très réaliste. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai même pas un pet de menu. Si. Oh, me voilà, moi et ma grosse népée. Alors, le clavier n'est pas en français. Motherfucker, déjà. Est-ce que je m'en sors mieux avec un pad? C'est la bonne question du jour. Attention les yeux. Oui, le pad. Yes. Alors, j'ai une petite attaque ou une esquive, va savoir. J'ai la tatane dans la gueule qui va bien. Le coup de pelle à tarte que je me garde pour si les invitations à s'éloigner de moi ne sont pas très bien assimilées. Et puis démerde-toi mon garçon. Ouais, il y a la redite sur les gâchettes. Zouiche. Et zouiche. Ok, on va se démerder. Donc mes esquives là, apparemment. Le coup de poing et le coup de pelle à tarte. Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Je n'en sais rien. Le jeu a démarré comme ça, hein, comme une. Comment dirais-je? Oula. Non, il m'a mordu. De la tarte. Mais il y a plein de gens pas gentils dans ce truc. Alors apparemment, le strafe, c'est un poil vital. Mon Dieu, qu'il est lent ce veau! Et apparemment, l'esquive est mon meilleur moyen de m'en sortir. Parce que. Parce que, il n'y a pas trop d'indications sur les combats, les gars. Et animaux. Et le fait d'avoir aucun changement de caméra, c'est un poil perturbant. Ouais, pep, tu vas où, gros? Alors le truc est que je vise comme si j'avais vraiment une épée en main. C'est-à-dire que moi je suis pas un roi d'épée. Et apparemment j'ai des problèmes de visée. Hein, les mecs. Tu restes là, gars, ou tu tombes. Voilà. Tu me donnerais pas un bonus à looter des fois. Alors je crois avoir lu dans le descriptif du jeu qu'il n'y a pas de loot. Il n'y a pas de skill à augmenter. C'est. Tu as ta pelle à tarte. Tu as ton petit coup de poing nerveux. Mais tu peux comboter. Ok. T'appuies 3 fois, tu combottes. Et oui, comboter. Vivement qu'il soit dans le dictionnaire, ce terme. Hey! Tu dégages, toi. Belle à tarte. Tadatadam. Y'a rien à looter, hein, j'attends pas. Si, je suis curieux quand même. Ça, c'est la vieille école des vieux. Hein. Diablo, ça a fait des séquelles quand même. Salut, un coffre. Ah, ouvre, 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 ouvre! Hey, salut, un monstre. Ah, tue-le, 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 tue-le! Oh putain. Qu'est-ce que ce caisse? Ah, un nouveau copain. Salut copain. J'esquive. T'as vu ça comme je suis malin?
Pour le moment, on comprend. Donc pour l'instant, on n'est pas sur de la mécanique de combat. On voit du steak. Et qui donne particulièrement envie de s'éclater à faire du Soul Calibur. Alors, j'ai rêvé où ce petit con a sa barre de vie qui remonte. Non, tu ne peux pas ramasser ça. Il y a Dalida en diagonale sur un tricycle. Pourtant, elle brille, cette épée. Et si elle brille, c'est bien qu'il y a une raison. Graphic Windows. Ouais. Okay. Non, mais remets-moi. Voilà. L'autre, c'est rien du tout. J'ai pas d'action pour prendre cette putain d'épée. Hein. Donc, on va dire qu'elle est purement décorative. Normalement, c'est au-dessus d'une cheminée, mais bon, là, à côté d'un cadavre, soit, admettons. Alors, il n'y a pas plus de map. Et ce qui serait fort dommage, c'est que pour un premier stream, je tourne comme un boulet. Et si vous avez suivi mes précédents streams, oui, j'en rote de perplexité. Si vous avez suivi mes précédents streams, vous avez quand même remarqué que j'ai tendance à facilement tourner en rond dès qu'on me le propose. Alors, je vais quand même dire, c'est comme tous les joueurs, hein, faites pas vos malins. Le truc, c'est que là, j'ai pas vu d'issue là-haut. Bon, alors, petite Unreal Engine, un petit truc. Ton optimisation n'est pas top top pour l'instant. Alors, ma machine, c'est pas une machine de luxe non plus. Mais, je tenais à le signaler. Là, s'il y a un script qui se déclenche, ça serait sympa qu'il y pense, quoi. Parce que je crois que j'ai tout essayé. Hein. Je peux pas. Il n'y a pas un truc pour baisser la barrière et pisser un coup, non? Non. Ok. Je n'insiste pas. Et des fois, insister, il ne faut pas. Mais du coup, je suis désarroi, je suis courroux, je suis tristesse, je suis. Qu'est-ce que je fous là? Et on va pas tarder à s'emmerder en fait. Alors on va faire le truc con, on va faire le tour du tableau, comme le blaireau qui ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. Ceci dit, si la bêta c'est uniquement ce petit bout-là, très honnêtement, je suis incapable de me forger une opinion. Parce que. Comment dire? On n'a rien vu du jeu en fait. Et si le jeu c'est ces combats avec trois fonctions qui se mangent le fion, je préfère mieux pas en parler en fait, ce serait peut-être plus sain. Non, il ne marche pas dans l'ombre. L'ombre est ton ennemi. Comment ça, c'est de l'eau? Ah, ben oui. Ok, on va dire c'est le grain particulier du jeu qui fait qu'on reconnaît pas bien l'eau. Par contre, ça n'explique toujours pas pourquoi je suis planté comme une merde là et que je n'arrive pas à avancer puisque. Comment dire? Faute d'objectif. Et à force de traîner cette épée par terre, elle va rouiller, je pense. Fuck moi, putain! C'est quand même ouf ça! Ok, que j'aille me faire cuire un œuf. Alors, est-ce qu'il y a une option? Il n'y a que dalle. Windows, Zoom, Beginner. Tu peux même pas régler tes contrôles. Si. Ça revient à ce que j'ai dit, hein. Trois boutons qui se mangent le cul. Je suis tristesse, je suis désolation, je suis le vide de la steppe enneigée, recouverte de brouillard, qui a cette particularité de faire confondre l'horizon entre le ciel et le sol. Ainsi disparaissent les dimensions dans le froid et la solitude de l'hiver. Monotone. Hein? On est arrivé. Alors, je pense que normalement, il y a une soucoupe volante qui devrait pas tarder à arriver. Avec des super gros mutants avec des lasers. Et je vais les défoncer. C'est aussi simple que ça, quoi. Seriously, les amis. Une map. Hein? Ça me semble essentiel dans votre jeu, déjà. Des objectifs. Ça peut être intéressant.
Et puis on se refait un petit test de la bêta une fois que ce sera autre chose que. Je sais pas, là j'ai l'impression d'avoir un animation stage, c'est-à-dire c'est la phase où on teste les mouvements du personnage et ses déplacements dans les décors, mais il n'y a pas de jeu là. Alors j'essaie de démystifier ça hors ligne, et puis on se refait un bout de stream si nécessaire. Des fois que par miracle je déverrouille un truc, mais là j'avoue que je suis comme vous, je comprends pas trop le gag. Alors gag il doit y avoir, mais si gag il n'y a pas, je serais même pas étonné quoi. Ouais, je regarde la date de release du jeu aussi, parce que ça se trouve, il n'est pas pour dans 2 mois, il est pour dans une éternité. Et forcément, c'est réellement juste un test stage. Allez, on n'insiste pas plus loin, j'ai l'impression que je vous fais autant perdre votre temps que je le perds moi-même déjà là-dessus. On se retrouve donc bah, bientôt sur. N'arrive même pas à voir l'interface là. On se retrouve donc bientôt sur un nouveau stream qui sera sûrement pas sur Ling, hélas, mais qui sera plus probablement sur un shmup, je crois. On va revenir aux bonnes vieilles valeurs. Surtout qu'il reste tout un tas de cochonneries que je vous ai pas encore streamées. Et notamment, merci le téléphone, et notamment les jeux LaserDisc que je suis enfin arrivé à faire fonctionner, où j'aurai le grand plaisir de vous faire découvrir Mac 3 et Us Beats Dumb, qui sont deux petites pépites complètement à part. Qu'on n'a pas pu trop avoir en version salon, puisqu'elles utilisaient ces fameux disques de 30 cm qui étaient les premières numérisations de vidéos. Enfin, je détaillerai quand on sera sur ces streams-là. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions et suivre le compte @TheBigGameOfSki sur Twitter. Et puis, je vous fais des bisous, on se retrouve tous les jours 19 h, vous connaissez le plan. Salut, à bientôt.